Non, ce n'est absolument pas à l'employeur de le rédiger. Il peut participer aux discussions en tant que président du CSE, mais c'est vraiment une prérogative qui appartient aux élus. La rédaction doit leur appartenir. C'est à eux de voir ce qu'ils veulent mettre dedans, ce qui est important pour prévoir un bon fonctionnement interne du CSE. Détrompez-vous, ce n'est pas du tout réservé uniquement aux grandes entreprises. Même s'il n'y a pas de commission santé-sécurité dans les plus petites, elles ont un vrai rôle à jouer en la matière. Par exemple, un CSE de moins de 50 salariés peut mener des enquêtes s'il y a eu un accident du travail. Il peut aussi promouvoir toutes les idées qui lui semblent utiles auprès des salariés et des employeurs concernant la santé et la sécurité au travail. À partir de 50 salariés, le rôle va encore s'amplifier. Par exemple, il va y avoir des réunions dédiées à la santé et sécurité au travail. Comme son nom l'indique, il sert vraiment à régler les frais courants de fonctionnement du CSE. Par exemple, l'achat de matériel pour tout ce qui va être imprimante, ordinateur. Il va aussi permettre de financer de la documentation technique, juridique, le recours à des experts ou encore de la formation. Attention aux abus, il ne doit pas servir à financer des cadeaux déguisés aux salariés, comme l'indiquent souvent de trop nombreux prestataires. Il n'y a pas vraiment de définition précise du budget ASC, l'éventail est assez large. Il va s'agir d'améliorer le bien-être, la vie des salariés. C'est à vous de faire le choix qui vous semble le plus pertinent. Ça peut être des activités de loisirs, ça peut être des bons d'achat, des chèques vacances, ou de la billetterie, ou encore des prestations telles que la mise en place d'une cantine ou d'une crèche.